J'ai pas préparé un papier pour mon compliment pour Bernard. C'est quand même un peu comme un espèce de communion. J'ai un problème technique de hauteur de vue. Alors Bernard, voilà, j'ai choisi un roman, un extrait de roman. C'est le tien, ça. Tu feras une pause au milieu de ce catonoma admirable. Un roman. Qui commence comme ça, enfin, qui commence pas, c'est un morceau du roman. Quoi. Dont le sujet est le suivant. On a entrelacé des branches pour installer un nid. C'est bizarre. Voilà des. Ça, c'est. Monsieur a lu le livre, c'est bien. Il est naturellement proposé en bas dans la librairie et du musée. On a entrelacé des branches pour installer un nid assez grand pour lover un homme. C'est ça le truc. Des branches de noisetier flexibles ou de châtaignier, un nid en haut d'un très grand arbre. Ah, un nid. Même technique que pour fabriquer les petites palissades qui séparaient les légumes ou les fleurs au Moyen-Âge. Ah, qui a bien pu avoir une idée pareille? Au beau milieu d'une forêt, on tombe dessus par hasard, pas d'accès prévu, c'est curieux, aucun balisage, aucune trace rouge sur les troncs pour répéter. Suivez le guide, rien, aucun signe. C'est bizarre. Igloo vert pour dormeurs égarés, refuge pour martiens écologistes, capsule d'argent, classe verte pour Laïka, la chienne envoyée au ciel, singe en orbite. Qui a bien pu imaginer et construire une chose pareille? Un monument à rien, au milieu de rien, une piste en vol, une base pour oiseaux espions, la cabane aérienne d'un philosophe déprimé. Ah, quel artiste! Il a dû travailler intensément, tressage d'osier, tatata, manche de boulot, un panier à diamètre humain, etc. Il faut vraiment le vouloir. Calcul de résistance, maquette à la maison. Ah, on l'imagine, je dois le faire. Voilà, je le fais. Je n'ai qu'une seule idée en tête. Je suis obligé, sinon je n'existe pas. Ma famille est contre. Ses amis l'en détournent, ils s'enferment. Cobaye, il le teste lui-même. Ah, et ça marche. Adieu, le temps passe. Forêt année zéro, machine à régresser, ça ralentit. Le nid est recouvert de mousse et traversé de lianes. Plus rien n'arrive. Le temps fléchit. Il fait plus noir, les oiseaux grandissent, les rochers s'effondrent. On habite une ruine. Adieu tout le monde. C'est gay. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui trouve normal de faire un nid toutes les 36 heures. Serial nidificateur, je ne peux pas m'en empêcher. Je dois le faire, c'est maintenant, c'est là. Les yeux fixes, corps tremblant, on l'imagine tendant les bras vers un mélèze à triple branche, idéal pour y accrocher sa passion. C'est ici ou rien. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne l'a fait qu'une seule fois. Par hasard, tiens, si on s'arrêtait là, on n'a qu'à se faire un nid. Et soudaine, un nid, bien sûr. Et voilà le gars qui taille de longues baguettes de bouleau, comme s'il avait fait ça toute sa vie, hein, expliquant le plan de montage à qui veut l'entendre, comme dans cette émission où l'on voit un type aider de ses voisins construire sa maison en un jour, en chantant. Des branches pour installer un nid. En haut d'un très grand arbre, on a. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Un nid. Pourquoi faire? Qui a bien pu avoir une idée pareille? On tombe dessus par hasard, pas d'accès prévu,
aucun balisage, aucun signe pour dire suivez le guide, rien. Capsule d'argent, singe en orbite, les trucs du philosophe, c'est bien. Ah oui, c'est dans l'étang. J'en ai pensé, ouais. Vous donnez les noms, hein. Un moment à lancer, bizarre. La vie des chansons, là. J'ai un mari. Eh bien, chantez maintenant.